On le dit bien, grosse corvette, petite quéquette. Moi, je l'avais toujours trouvée très drôle, celle-là. Puis je me dis que c'est tellement vrai, tout ça. On veut toujours avoir de la prestance avec nos biens, alors que ça pourrait être autrement. Si on a été élevé autrement, à avoir confiance dans les gens, confiance en son pas, confiance en sa façon d'être, on n'a pas besoin de tous les bricoles. Alors, ça a commencé par une rencontre qui a eu lieu dans notre salon, chez nous. Et puis, on était, quoi, une vingtaine de personnes. On a fait un souper partagé. Chacun prenait la parole pour dire pourquoi il pratiquait la simplicité volontaire. Puis là, j'entendais d'autres qui disaient, « Ah, c'est ça qu'on fait, nous aussi. Oh, que ça fait du bien d'entendre parler de ça. » On se sent tellement tout seul. On se sent tout seul entouré de gens qui gaspillent, qui n'ont pas l'air d'avoir un sens à leur vie. On n'est pas bien dans ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Alors, ça a été le début, le lancement du mouvement pour la simplicité volontaire. La simplicité volontaire, moi, je dirais que c'est une façon de se dégager de la société de consommation pour être plus libre, plus en santé, pour réaliser ce qu'on veut réaliser dans notre vie. À la base, on est originaire de l'Ardenne, en Belgique. Arrivé à Gaspésie, on cherchait plus de tranquillité, d'espace. La possibilité de faire les choses à notre goût, tu vois. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on a fini par partir. On a franchi le pas, sans savoir si tu vas réussir. Tu sais jamais si tu vas réussir, évidemment. Hein. Tu sais, tu quittes tout ton boulot, tout ce que tu veux, donc tu sais ce que tu n'as plus, mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir, quoi. Mais en même temps, si tu penses trop à ça, tu fais plus rien, quoi. Produire sa nourriture, c'est beaucoup de travail, mais c'est très simple. T'as pas besoin de faire un doctorat en agronomie hein, pour planter un potager. On fait l'essentiel de notre nourriture nous-mêmes. Le pain, les fromages, le beurre, la crème, les confitures, les pickles, les soupes. Donc c'est ça. Moi j'ai besoin de ça, d'être dans le verre, dans le bois, dans la terre, toutes ces odeurs, l'humus, tout ça. C'est quelque chose qui me parle, quoi. Moi j'aime ça, puis j'ai besoin de ça.